J'espère que vous allez bien. Je viens d'aller porter mon sur mon travail. Et là, je me dirige vers les galeries de la capitale, le Walmart. Puis je vais aller chez Dollarama aussi. Et finalement, j'ai décidé de garder la voiture aujourd'hui. Puis à soir, on va sûrement aller faire un petit tour à l'endroit préféré de Benji. Il est présentement 7h06. C'est toujours aussi noir. On ne sait pas quelle température il fait, mais je pense qu'il fait gris aujourd'hui. Je voudrais peut-être des bas de laine. Papier collant pour emballer, commencer à emballer les cadeaux. Après ça, je n'irai pas magasiner aux galeries parce que les magasins ouvrent seulement à 10h. Ils ouvrent quand même tard. Ça ne sent pas de me rendre jusqu'à Place Laurier, admettons, pour aller chez Batemoli ou aller ailleurs. Fait que je vais faire des magasins dans le coin. Je vais peut-être aller faire un petit tour au village des valeurs pour aller voir des pyjamas. Pour des pyjamas ou des vêtements pour Amélia. Parce que il manque un peu de stock. Je vais vous tenir au courant de ma journée. Faut que je retourne à la maison aussi pour aller rejoindre Benji. Parce que Benji va remercier une bonne partie de la journée. Je vais chez Starbucks, chez McDo, ou chez Tim. Marc, il va à Ville. Et en même temps, je vais aller voir les prix des nouvelles. Achats, mes découvertes, mes. Les endroits où que je vais. Aller chez Timoton, il y en a un ici sur le coin de la rue. Le service au volant est ouvert. Moi, je vous laisse, je vais vous reprendre. Bon matin, il est présentement 8h05, puis je viens d'arriver, ça fait un petit bout, je suis arrivée depuis 7h45 au Walmart de Le Bourgneuf. Je suis allée me chercher, finalement, je suis allée chez Timoton me prendre un café. Puis un muffin explosion de fruits pour déjeuner. Puis là, le Walmart vient d'ouvrir, il est 8h, fait que je vais aller faire une petite tournée, je vais aller voir ce que je vais trouver. Puis je vous tiendrai au courant de ce que je vais trouver. Je vais sûrement aller voir les trucs de Noël, mais je vais commencer par aller à la salle de bain encore une fois. Et quand je suis arrivée, il y avait tellement de places de libre que j'ai pu me trouver un parking de femmes enceintes. En même temps, je vais rester dans le Walmart, mais... Je vais vous emmener avec moi. Je vous ai aussi, dans le fond, j'ai chargé mon téléphone en même temps. J'avais juste 50%, puis je dois être rendu à presque 80. On s'en va chez Wilma. On se parle plus tard! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 10h23 et je sors tout juste du Walmart. J'ai acheté pour 50$ à peu près. J'ai trouvé une camisole de pyjama ou de tous les jours à 10$ de maternité. Ça va être confortable, je vais pouvoir mettre ça avec des leggings dans la maison et tout. Puis même après aussi avec mes pyjamas. Puis, après ça, j'ai trouvé un pyjama newborn pour Amélia. Je me suis acheté des fruits et des légumes qui étaient en spécial. Autre truc que je vais vous montrer à la maison, que demain on va rester à la maison. On va cuisiner d'autres choses. Je vais finir de manger mon muffin. Puis je vais aller au Dollarama. Je viens d'avoir un appel bizarre pour subvention de trucs études. Ma fille n'est même pas née encore, puis on parle déjà de mettre de l'argent de côté comme ça. Puis elle se présente pas pour la fédération des caisses ou des trucs de même. Elle dit c'est mon nom, je suis la conjointe ou l'adjointe de M. Brisson. Puis après, je dis c'est pourquoi. Puis elle introduit même pas le sujet, des subventions pour ça, pourquoi. Je dis non, là, c'est mon chum qui va s'occuper de ça de toute façon. Fait que je
tu veux qu'il veuille ouvrir un compte pour y mettre l'argent dedans. Et je trouvais ça bizarre. Je n'étais pas intéressée. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a eu mon numéro de téléphone, mais... On va faire les choses à notre façon pour mettre l'argent dans le compte de notre fille. Pas avec des trucs de même d'avance, ça. C'est de la merde, ça. Fait que je go au garage de la capitale pour aller chez Dollarama. Je vais peut-être aller faire un petit tour chez Old Navy, dans le coin des liquidations, s'il y a des belles choses pour familles. Puis après ça, je go à la maison. Je vais peut-être arrêter, me chercher de quoi à dîner, je ne sais pas encore. La semaine prochaine, mardi, j'ai pris rendez-vous chez la coiffeuse. Je vais aller faire couper les cheveux, ça va faire du bien. Un petit moment de détente. Hier, en fait, la blonde, la femme de mon cousin, je vais manger à midi. Dans quel coin le Dollarama? Je pense que c'est dans le coin de Renouvré. Je suis pas dans le bon sens, mais je vais me parquer en haut, c'est ça. J'ai dit ma soeur une fois, je suis contente qu'elle ait mis des bancs dans le Walmart pour que ça se fasse. Je me suis assis une fois parce qu'on en est. Pas les gens fatigués là, mais un petit peu ça pesait, ça bédait. C'est sûr qu'il n'y a pas de parking de son enfant ici sur le bord. Mais j'en ai trouvé un sur le bord. J'ai pas un truc qui va au frigo, mais j'ai des légumes qui sont que j'ai acheté en spécial parce qu'ils n'étaient pas sur le bord de passer date, mais qu'ils avaient ramolli. Mais je trouvais un gros sac d'échalotes, de choux-fleurs pour 2$. Puis je vous reparle plus tard. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 12h36 et je retourne à la maison. J'ai un petit peu trop beaucoup dépensé au galerie de la capitale. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis acheté des trucs et je peux tout vous montrer ça à la maison. Chez Dollarama, chez Bath & Body Works. J'ai acheté mon revitalisant. J'ai acheté des décos de Noël pour la chambre familiale puis la maison. Un petit sneak peek que je vous donne. Je vais mettre ça sur sa porte de sa chambre. Ça va être juste trognon. J'ai racheté mon mou de pomme. J'ai acheté de l'eau. Bien. Je me suis acheté à dîner. Je suis allée me chercher un Subway. J'ai essayé de quoi de nouveau là. J'ai faim en montant à la maison. Puis je suis sûre que j'aurais pas eu le temps de me connaître en arrivant à la maison. Je me suis pris un wrap le César. Je vais faire le montage du vlog d'hier. Moi, je vais vous reparler sûrement à la maison. Bonjour, on est présentement à la maison. Puis Benji vient de recevoir sa boîte de Wolfpack. Assez. On a reçu sa boîte, il est là, il est excité, il a hâte de voir. Assez. Il a reçu un petit collant, un petit cas. Non, Benji, assez.
On va découvrir ensemble, puis j'ai hâte aussi de voir ce qu'il y a dans la boîte. Assez! Il est drôle, il est impatient. Il a reçu un tout assez! Il a reçu un toutou de... On dirait un marteau. Un marteau, un séchoir assez... Je sais qu'il va me le briser, entendez le dire. On gagne un petit baiser. Il y en a pas. Ouais. On peut la mettre partout, là. Il a reçu ça aussi. Un rasoir. Tu veux un rasoir? Assez. On va raser Benji. Il a reçu un genre de tendon de bœuf. C'est tout des trucs faits au Canada. En passant. C'est un bon cœur? Es-tu là-bas? Oui, il a reçu des sacs de gâteries. Ici, j'ai des biscuits bits. 100% naturel. Et ici, j'ai des gâteries enchantées au bœuf. C'est la boîte d'Halloween que j'ai eue, là. Et... On donne la pâte. Donne la pâte. Donne la pâte. Donne la pâte. Dans la cuisine pour vous montrer le restant de mes achats, mais je pense qu'il y en a un qui est satisfait de sa boîte. Hein? Mais, veux-tu manger tes jouets? Je reprends plus tard. Bonjour, je suis enfin arrivée à la maison. Puis dans mon dernier post, dans mon dernier vidéo, ben, clip, on me voit en train de donner la boîte à Benji. La boîte de Wolfpack, j'ai reçu. Là, ben, je me suis assise sur une chaise parce qu'il faut que je m'assieds en ce moment. Je veux dire que j'étais pas mal fatiguée après d'avoir été faire le tour des galeries de la capitale, le Walmart. Puis, c'est quelque chose maintenant, faire des commissions en 5. Je suis même pas à la fin en plus. Mais j'ai pas des mots dans le bas du dos, là. C'est juste qu'à un moment donné, la bédaine est de plus en plus présente, comme vous pouvez le voir bomber ici, là. Fait que demain, on va rester à la maison pour prendre ce cours, puis on va juste sortir mardi prochain avec ma prochaine paye. Je vais aller m'acheter d'autres trucs. Je vais m'acheter des trucs de Noël, des trucs de... plein de trucs. Fait que là, je vais vous montrer le restant de mes achats que j'ai fait. J'ai reçu ma commande de chez Pat, que j'ai déjà postée sur Instagram. J'ai reçu des petites cuillères trop mignonnes, c'était 2$ et quelques. Des ustensiles, une cuillère et une fourchette pour bébé Amélia, mais qu'elle soit un petit peu plus grande qu'elle mange des purées. Et j'ai commandé un pyjama dans le 03 mois. Celui-là ici, il n'y a pas de pattes là, mais je veux dire, on voit les pieds, ben, les pieds sortent. Mais regardez, c'est des petites vaches. Je vais vous montrer une petite vache au complet. Là, c'est une petite vache. Il fait meumeux.
Une petite glace. Et je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Puis comme je vous dis, ben, j'ai pas grand chose dans le Newborn. Bath & Body Works. J'ai pas reçu ma commande de chez Bath & Body Works. Fait qu'elle devrait sûrement rentrer demain. Ça doit aller de 3 jours ouvrables à 3-5 jours. Fait que je devrais le recevoir au courant de la semaine. C'est juste des savons à main de toute façon que je me suis commandé. Puis qu'est-ce qu'ils font, c'est que c'est les mêmes promotions qu'il y a au Bath & Body Works en magasin, vu qu'on est sur le site canadien. Mais en avance, on offre nous les radins en avance, ceux qui sont abonnés avec, que leur soit par courriel pis tout, que dans le magasin. Fait que, demandé parce que j'avais vu qu'il allait avoir en fin de semaine, ben moi je l'ai vu avant hier, des antibactériens, mais c'était 5$ pour 5, mais d'une sorte. Fait que moi j'en ai acheté des sortes variées pour faire différent. J'en ai acheté 6 pour 10. Parce que ma collection a quand même pas mal baissé. Puis je les adore tellement, les antibactériens de chez Bath & Body Works. Je me suis pris Fresh Sparkling Snow. Ensuite, Winter Candy Apple. This the Season. Ensuite, Twisted Peppermint. Snowy Peach Berry. Puis le dernier, Arc. Je pensais pas que c'était ça, mais c'est pas grave. Vanilla Bean Noël. Je me suis racheté des patchs. Des serviettes sanitaires pour ma valise de maternité. Mais ça, c'est de jour. J'allais chercher mes pilules. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une serviette en microfibre pour les cheveux quand tu sors de la douche, un peu comme Coco Caribou, mais 2$ là. En bambou. Fait qu'on va l'essayer, voir si ça fonctionne dans mes cheveux. J'essaie de trouver la façon dont il faut se le mettre sur la tête. Ça ne devrait pas être très compliqué. Et un petit produit onguent qui était 1,25$, vraiment pas cher, de Attitude pour bébé. Je vais pas mettre ça dans sa trousse de bébé. Ensuite, chez Dollarama, j'ai acheté les fameuses cannes de bonbons pour les cartes de Noël, parce que je commence ça la semaine prochaine à préparer les cartes de Noël. Fait que ceux qui veulent en recevoir une de ma part, envoyez-moi votre adresse privée postale en message privé, puis je vais vous envoyer une carte de Noël, c'est sûr. J'en ai 56 ou 59 que je peux envoyer cette année, j'en rachèterai pas parce que j'en ai déjà à la tonne, fait que j'ai pas besoin d'en racheter. Fait que ceux-là qui veulent en recevoir une de ma part, que j'aimerais moi aussi en recevoir une en échange, ils vont avoir une petite canne de bonbons dans leur carte de Noël. Je le dirai pas trop fort, mais j'ai acheté des nanas à Paris. Deux nanas pour 3,5$. Ensuite, j'ai racheté ma boisson des fêtes, ben, mon mou de pomme préféré que j'en ai trouvé. Je m'en suis fait une petite collection. Parce que je ne me rentrerai pas aux fêtes avec ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, maman, ça en est. Puis elle va se mêler s'en racheter d'autres aussi. Ben, j'en bois quasiment 2 ou 3 par semaine. Fait que 6 bouteilles de maille d'or. Comme ça, c'est du jus de pomme pétillant. Mais moi, j'aime tellement ça. Fait que. On dirait quasiment que je bois du champagne quand mon chum prend de la bière. Chez de l'eau, j'ai acheté des plats comme ça parce que je voudrais faire de la lasagne puis du pâté chinois en gros. Du papier de soie de Noël pour emballer des cadeaux. Du papier parchemin de Noël pour mettre quand je vais faire des biscuits pour les filles ou ma recette de sucre à crème. Des petits collants comme ça pour mettre dans les fenêtres.
deux trucs comme ça, aromatiseurs, des. Genre des purificateurs d'air au sel. Je trouve tellement que ça sent bon, c'est ce que je mets dans la salle de bain. Des petits sacs à lunch de Noël. Deux trucs de papier collant. Des petits bonbons de Noël pour décorer. Des feuilles protectrices pour mon cartable de livre de recettes. Là, la madame est là. Thank you. Je vais casser des bas. Ici, tout chez Dollarama. Ensuite, je suis allée chez Coiffure International. Puis, je me suis acheté mon revitalisant de chez Wella que j'aime beaucoup. Ensuite, chez Walmart. Et chez Walmart, je me suis acheté. Je me suis acheté un petit pyjama Newborn dans les teintes de bleu. Il était 8,97. Et en plus, c'est le fun parce que c'est un pyjama qui se dézipe dans les deux bords. Fait que pour changer bébé, c'est pratique. Moi, je me suis acheté une camisole de maternité, depuis un pyjama, ben, pyjama ou autre. Je la mettrai demain, je verrai voir ce que ça donne. Elle a l'air quand même assez. Ensuite, je me suis acheté des minces aux légumes, parce que c'est tellement bon. Puis je vais essayer la marque maison, on verra. Une bouteille d'eau. La coriandre. Un gros méga paquet d'échalotes qui était 2$. Des tomates. Deux brocolis pour 2$. J'ai acheté du poivre. Des avocats parce qu'ils étaient à 1,47 pour 5. Deux trucs de tomates en dé parce que demain je vais faire du chili pour mon chat. De l'ail parce que vous connaissez la fameuse histoire de l'ail. C'était 77 sous. De la pâte comme ça, puis du riz parce que je voudrais faire une recette de pommes. Puis mon chocolat préféré qui était 6$. Fait que je vous laisse là-dessus. On se reparle plus tard. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 7h. Il est 5h36 du soir. On est de retour à la maison depuis 4h30, depuis 5h. Je vous ai pas filmé quand on était au parc à chiens parce que j'ai voulu en profiter avec mon chien puis avec les autres. Puis je trouvais que c'était pas la place notamment pour filmer. Mais je vous ai déjà montré c'est où qu'on allait avec Benji. Aujourd'hui, on va manger des tours de tomates. Il y a un Benji ici. Il y a un Benji. Oui, ici, monsieur Nenoch. Aussi, hier, j'ai commencé à faire mes petits sacs d'Halloween. Ils sont ici. Vous les voyez pas, mais je vais vous les montrer après. Je vais préparer une collation en attendant que mon chum change les pneus. Un petit bol de tostos avec de la guacamole. Ben, des avocats écrasés ainsi que du fromage. Un bon verre d'eau. Un Benji qui arrive. Petit ginénus. Puis je me suis ouvert une bouteille de Mirador, Mayador, là, de jus pétillant en pomme. Puis mes petits sacs d'Halloween, ben c'est eux autres. Les petits menus. Que j'ai commencé à remplir hier. Il m'en reste d'autres ici. Puis j'ai mis tout le contenu des bonbons. Petit chinénus. Je vais aller m'acheter d'autres sacs de bonbons, mais j'en ai pas trouvé au Dollarama. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes sacs Ziploc, puis je vais les faire moi-même. Fait que moi, je vais m'avancer dans mon montage, je vais essayer de vous mettre un vlog en ligne aujourd'hui ou demain. Tantôt, je vais aller préparer le souper. Puis, ça a rafraîchi maintenant le bureau. Fait que moi, je vous laisse là-dessus.